Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer avec les mains sanglantes. Et donc on s'était laissé sur une bataille contre les purée indois déjà qui est leur big boss et contre surtout la tribu du premier ordre. Et je crois que c'est leur dernière armée qui se balade. Et ils vont se battre contre Venin. Coup de boule. Ok. Donc une petite armée composée de gobelins et d'orques normaux. J'ai la fameuse catapulte lance-roc gobelin que j'ai capturée dernièrement. Puis les hurleurs à la lune qui est une des gobelins renommés chevaucheurs de loup. Et on espère que c'est bon. En face, il n'y a presque, enfin il n'y a que des archers. Et là il y en a 6, ça fait 7, 8, 9, 10, il y a 10 régiments d'archers et 2 régiments de costauds là. Donc j'espère que ça va aller. Normalement avec ma catapulte et mes loups ça pourrait le faire. J'ai pas regardé les stats des orques normaux en archer. Je pense qu'ils doivent être un peu différents des orques sauvages, mais bon, de toute façon que ce soit l'un ou l'autre, ils ne savent pas viser. Oula, 5. Ah oui. C'est mieux. Bon. On va prendre les petits gobelins puisque les gobelins sont de la chair à canon. Voilà. Et les orques, on va les mettre derrière eux. On a des petits furieux là aussi. Toi tu vas aller là avec ta bande. Plutôt comme ça. Ici, vous là, je vais vous mettre par là plutôt. Pourquoi je peux pas vous mettre là? Et la catapulte. Voilà, on va la mettre par là, la catapulte. De toute façon, en face, ils ont pas d'archer, donc de cavalerie. C'est vachement rudimentaire hein, les catapultes orques. Et le poids c'est une tête d'orque. Vraiment rudimentaire. Bon. Non c'est quoi ça? Ok. J'ai un mec qui se planque. Planquez-vous. Ils nous ont pas vus. Bah vous tirez les gars ou vous voulez que je vous aide? J'espère que vous visez déjà. Ah bah oui. Toi tu vas te mettre là. Allez. Ok, hop, hop, on va là-dessus. Oh putain, ils prennent cher. Il est où mon chef là? Oh les gobelins! Ah
Hein, tue-moi eux plutôt. Allez, dans leur dos, dans leur dos. Il est où mon chef là? Je vois jamais lui. Il est là. C'est quoi ça? Allez hop, on avance messieurs. Oh la vache. Mon chef, il est où? Ah ouais, il prend cher ce con. Allez, revenez sur eux là. Courez-leur après. Bon. Ça fait mal contre un seul personnage, ça. Ah, cool. Ma cavalerie qui fait n'importe quoi là. Je leur ai demandé de courir après des machins, ils ont rien fait. Donc, super, je veux bien. Super les mecs, je suis fier de vous. Oh là 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 là, c'est chaud. Hein. C'est compliqué. Faites-les-moi piller, s'il vous plaît. Non, non, et non. Oh la vache, il est fort, hein, l'autre avec son niveau 10. Ah bah, et en plus, les autres reviennent dans mon dos. Vous, revenez, ici. Allez, non. Que leur chef tombe et c'est bon. Ah, leur chef est en train de s'enfuir. Ah putain, j'arrive pas à savoir qui est avec moi là. Il y a tellement de monde. Allez, va attaquer ça toi. Hop, c'est bon. Là-haut, j'ai besoin d'attaquer ça. C'est qui eux? Qui c'est? Là 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 là. Hop. Tuez-le-moi. Ok, mon chef est en train de s'enfuir, c'est super. Oh les jarchers quoi, c'est de la misère. Allez, 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 il faut que je leur cours après maintenant. Bon, Seigneur Yumi est blessé, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Voilà. On se regroupe tous, c'est bon. Tout le monde se regroupe. Voilà.
Hop. Revenez par là, vous. Faut se regrouper, là. Putain, mais courez, mon sang, courez! Ok, c'est bon. Oui quoi, j'y crois pas. Espèce de naze. Ouais. Ils ont plus de... Ils ont plus... Ah mince, ils ont plus rien. Bon, c'est pas grave. Voilà, on les extermine. Hop. C'est bon là? Qu'est-ce qu'il me reste encore? Ah bah merci. Oh, c'était chaud hein. Victoire Lapyrus comme d'hab. C'est un peu la mode en ce moment. C'est leurs archers qui m'ont fait chier hein. 196 morts ils m'ont fait. 196, 138 plus rien doit avec son avec son son niveau 10 là. Oh. Aïe aïe aïe. Ah, y a, tout le monde est encore là, c'est parfait. Et ils ont perdu leur unité de corps à corps. Ils ont perdu... Non, leurs archers sont toujours là. Mais c'est pas gênant. Non. Non. Voilà. Faire ça. Alors j'ai gagné une... Une armure. Ça fait quoi ça? Ok. T'as une lame, c'est parfait. Obligé de chanter. Non, je crois pas qu'il y en a de plus de toute façon. Et là, on a rien de plus non plus. Ah ouais. On the way. I'm special. Ok, ici. J'ai bien envie de... Non. Ça. Et merde, il a raté. Oh, espèce de naze. C'est quoi? C'est laquelle? Mine de la corne. Ouais, c'est... améliorer ça tout prix. I is invincibles. Et là ce que je vais faire whatever. Pff, ouais. Ah, façon automatique. Hop, petit level. Et je vais plutôt le raser parce qu'il me casse les noix. Hein. Bon bûcher. Bon bûcher, je vais tout raser. Et au pire des cas d'ailleurs je reconstruirai tout. Mais au moins ça sera tenu du main de fer. Ici il faudrait plutôt que je fasse. Bon allez, on va faire ça. Et là j'ai pas l'argent pour
Faudra que je fasse un truc militaire ici. Il y a ça là qui m'énerve. Parfait. Ça c'est pas une grosse menace pour moi. Voilà, avec les garnisons que je me tape. Ah si, il pourrait me faire chier. J'aimerais bien avoir une autre maraudeur maudit de Morgoth. Ah ouais d'accord, on a une reine, on a une araignée géante. Qui s'y sont eux? Ouais d'accord. Les fous des 8 pics. Ah, ils ont un sein d'armure. D'accord. Ah, pas mal ça. Arme spéciale à distance, attaque empoisonnée, rodée. On va faire eux. Voilà, je vais recruter juste eux. Recruter. Ce sont des spéciales gobes, c'est normal. Et on va passer de tour. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais te faire? Voilà, je peux te faire des pouvoirs maintenant. Il a gagné. Ah oui d'accord. Réserve de puissance magique. Rare. Livre d'Achour. C'est un. Achour, c'est un dieu. Un haut elfe. Un dieu haut elfe. Il a piqué ça au haut elfe. C'est pas bien. Enfin, je crois que c'est un haut elfe. Je sais plus. Viens tout de même. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Rejoindre la guerre contre l'Ostomac. Mais je vais pas rendre la guerre contre tout le monde, c'est bon. De toute façon, tu m'en proposes rien. Aha! J'ai pas les renforts de mon armée derrière. Sans déconner. D'habitude j'ai... c'est pour ça que j'ai mis derrière, je pensais que j'aurais eu eux en renfort. Bon bah... allons faire cette bataille. Bon, faut que je me concentre sur leur tour et leur gobelin. Et après... mais les gobelins, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Hein. Faut avoir que je focus leur catapulte pour pas qu'elle me fasse trop de dégâts. Mais après, ils ont que des archers et la cavalerie. Mais bon, c'est pas gênant, gênant. Ah bah voilà. On sait que les orques sont là, donc eux, ils vont être focus. À mort. Alors attendez, tout le monde là. Alors c'est les plus costauds, donc hop, ils vont aller là. Ici on a quoi? Gobelin de la nuit, gobelin de la nuit, gobelin de la nuit, des gobelins tout court. Alors, le gobelin tout court, c'est les moins dangereux. Je vais le mettre là. Ok. Non. Ah bah oui, non. Je vais choisir eux. Attendez. Ah non. C'est pas toi que je veux. Toi plutôt ici. Toi plutôt là. Après je sais pas s'ils ont des trucs pour me défoncer les portes. En cas où. En cas où je vais mettre une unité ici. Juste pour préserver le machin, et au pire des cas, ils remonteront sur les murs.
on a quoi là? Ok. Alors, ah oui, bah c'est ça, faut que je passe en premier lieu. Faut que je le mette là. Je vais mettre mes chercher ici. Et après, je vais les intervier. Et après, je vais les intervier. Hop. Normalement, non, elle, je pense pas qu'elle aura la portée nécessaire pour tirer. Hop. Vous allez aller là. Qui c'est qui manque? Toi, tu vas aller ici. Je vais plutôt vous mettre là, vous. Oh, ici. Bonne chance à eux. En fait, j'ai plus de place sur les murs. Je n'ai plus de place. Qui c'est qui manque? Ah oui, il reste encore ça. Il reste encore 3 régiments là. Oh là là! Ça en fait du monde. Bah on va vous mettre là. Et je vais mettre des régiments en réserve dans le dos comme ça. Ah, c'est vrai que j'ai aussi mes trolls. Bon, surveiller les portes. Allez, en réserve aussi. Alors, je veux la catapulte. Où est la catapulte? Hop, je veux qu'elle soit focus. Absolument. Ensuite, on va tirer sur ça. Tu me tires sur celle-là en priorité. Et toi, tu me tires sur... Non, toi, tu me tires sur celle-là. Voilà. Vas-y, tire-moi là-dessus, toi. Pas tirer en plus, c'est chiant. Eh, laisse mes troupes tranquilles. Saloperie de... Vous me détruisez hein. 17%. 91. Ah c'est bon, ça va tomber. C'est bon, c'est tombé. C'est bon, c'est tombé aussi. Allez, en courant messieurs. Alors attendez. Non, parce que là, je les sens... Voilà, comme ça. Eux, ils sont déjà morus, c'est parfait. Là-dessus. Ça c'est bon, ils sont là-dessus. Eux c'est quoi déjà? Merde. Ah zut. Ok, on est bon.
tu me focuses ça. Toi, tu me tires là-dessus. Et toi, tu me tires... bah, je sais pas quoi. Voilà, ici, parfait. Vous êtes parfait, là. Et toi, tu te mets là. Hop, on est bon. Tire-moi là-dessus. Vas-y, massacre ça. Tu me massacres ça. Là, vous. Hop, là-dessus. Vous. En renfort, s'il vous plaît. On est bon. Par contre, c'est cette catapulte qui me casse les noix, là. Ok, eux se font massacrer. Allez, là-dessus. Regardez, ils se font massacrer en même temps avec tous mes renforts que j'ai. Ah non, attendez, je vais vous mettre là, vous, comme ça. Je sais pas si vous aurez la portée pour tirer. Bon. Là, ils sont massacrés, les gobies. Bon, bah, ça se passe, bien. Bon. Voilà. Qui est avec qui? Vas-y, tue-le! Mais regardez pas vous dans les blancs des yeux, là! Ah, c'est les Jarchi qui viennent au corps à corps! Ah, ah, ils ont enfoncé les portes! Je l'avais pas vu! C'est la merde. Ou alors là. Allez-y, fuyez. Est-ce qu'ils ont eu leur chef au moins? Pas eu leur chef, je crois. Il s'est enfui leur chef ou il est mort? Oh, les pauvres, ils sont massacrés. Lui, faut le tuer, lui. Il y en a qui a perdu sa tête. Ah bah lui aussi il l'a perdu. Les araignées se sont fait massacrer à l'entrée. C'est... regardez-moi ça. Il y a de la bouffe. Bon. Bah voilà. Victoire décisive. J'ai eu 200 morts. Ils ont perdu 1391. Ah vache.
Ah, leur chef est mort. Ouais. Et j'avais pas vu, mais... Voilà, on démarra. Bon bah on peut retourner là. Bonjour. Ils ont disparu. Qui est Ok. Qu'est-ce que tu fous sur mon territoire? Waouh. Ici. Ok, c'est quelle armée que j'ai fait venir? Ah, pas toi. Ouais, c'est elle que j'ai fait venir. Faut vraiment que j'améliore ça pour avoir beaucoup plus d'argent. Ici. C'est comme ça. Voilà. Ah ouais, d'accord. Parfait. Clan Aragorn et les Elfes sont en guerre, et Norland et Ostland sont en guerre. Fait un peu d'expérience à mon bannière étendard du décharné. Cool. Ça fait quoi ça? Bonus de charge plus 7. Ouais. allez, on les extermine. Point barre. Voilà. Bon. Ça veut dire qu'on peut rentrer maintenant. Oui, on va te mettre ça. C'est où là? J'ai l'impression qu'eux ils vont aller voir les nains. Faut absolument que j'améliore mon... l'argent. Ici. Voilà. Je voulais pas... Voilà, je voulais pas me prendre la tête avec ça. J'ai pas eu trop... Bon, ça a été... Anneau de rubis de ruine. Oh. On peut mettre à sac. Régiment de renom déverrouillé, voleur dedans. Régiment de renom verrouillé, marteau de Gorg. Yeah. C'est quoi ça, pouvoir de la Warg? Ok. Et là on a quoi? Risque d'échec, moins 25%. Waouh, putain la vache, il en a des sorts lui. Hein. J'aimerais bien plutôt faire ça.
Donc il a gagné. Ah oui, il y avait celle-là aussi. Ça c'est quoi? Réserve de mouvement magie plus 15. Et je sais pas ce qu'il a gagné. Il y avait un truc qu'il a... Je sais pas ce que c'était. Non. Du coup, on peut pas réattaquer. C'est dommage. Ils ont plus d'armée maintenant ces mecs là, ils vont plus faire chier. Hein. Moi aussi je t'ai oublié. Alors, hop, je vais te donner ça. Mais toi t'as rien du tout par contre. Ah oui, c'est toi qui a gagné des points d'endurance. Ah oui, d'accord, c'est pas mal ça. Tu peux avoir. Ouais. Ça c'est bien. Alors. Il reste que 3 unités de renom et après c'est bon. Ok. J'ai 6000. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer quelque chose? Genre boule de fumier géante. Ça, ça coûte 3000 quoi, c'est à... Oh, ça vaut cher. 3200. Sauf que ouais, j'ai plus de revenus. Et là, niveau revenu. Allez, on va faire sacrifice, hein. Ici, il faudrait plutôt que je fasse ça. Voilà. Je vais faire la paix. 5000. Waouh, c'est tentant, mais je vais dire non. Putain, il en reste beaucoup d'argent. Hein. Parce que il me casse les noix. Donc, non. Ce que je vais faire, c'est je vais dire à lui. Enfin non, je vais dire à lui. Non, pas ça. Allez, et toi. T'attaques. Ça. Et moi, je vais partir là-bas. Voilà, et je vais aller exterminer ça. Ça sera fait. On est à combien là? Ouais, ça va, c'est pas catastrophique. Je reviens. Et là, ça va plutôt mieux. Voilà. Bon, bah j'ai encore plein de trucs à reconstruire. Hein. C'est parfait. Alors, on va passer de tour. Il s'en est emparé ou il l'a rasé. Victoire, bah c'est normal, victoire décisive. Oui, il est hard de bray là. Et il s'en est emparé. Vous savez quoi? Je vais plutôt faire. On va faire un truc. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà, je vais me mettre en camp. Quand je fais ça. Ah merde. Ouais, vaut mieux que je reste comme ça là. Non mais. Voilà, merci. Et ici.
On va faire ça, voilà, un peu d'oseille. Il y a une harle là par contre. Faut que je me méfie. Allez, cours mon petit. Voilà, on revient dans le positif là. Ok, je vais te donner plus de vie. Est-ce que je pourrais te refaire recruter quelques mondes? Orque sauvage, non, oui. Les orques sauvages sont quand même toujours assez pétés, hein. Ça c'est assez récurrent. Je vais t'en mettre deux. Est-ce que je suis au maximum dans cette armée? Ouais, je suis au maximum. Donc on va bien, on va se laisser là-dessus. Et en même temps, je vais en profiter pour faire... On m'avait donné des nouveaux noms. Et je sais plus du tout si je les avais. Hop, hop, hop. Là on a les six doigts, les tailleurs-tails, les fameux cure-dents, orques sauvages. Donc normalement, ceux-là, je peux les renommer les arracheurs de dents. Alors bien sûr, faut pas que les noms soient trop longs parce que j'ai comme une limite de. J'ai une limite, je peux pas marquer entièrement les noms en entier. Donc c'est parfait. Et les casseurs de crâne. Hop. Les casseurs. J'en profite. D'habitude je fais ça hors caméra, mais bon là, vu qu'on est plus sur. On n'est pas sur une bataille et c'est marrant de renommer en même temps. Et on peut renommer, on a quoi? Les tirs un oeil, on a les empalmomies, les vis trop bien, on a les tirs plus vite que skid, les orques sauvages, on peut renommer cela en les gobeuil. Ouais, c'est ça. Les gobeuil. Et je crois que... Alors j'ai unité de troll, j'ai pas d'unité de troll malheureusement, donc on m'a donné plein de monde pour les géants, pour des trolls, donc je les garde de côté hein, pour plus tard, parce que forcément j'aurai des trolls au bout d'un moment. On m'avait donné aussi un nom pour... Ouais, pour le... Je m'en rappelle pour eux, pour mes zigouillards. Les trancheurs de tripes, ouais, c'était ça. Les clencheurs de tripes. Les trancheurs. De trip. Parfait. Et je crois que c'était les seuls noms qu'on m'avait donné. Alors, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à en donner, je renommerai. Les unités de renom m'avaient proposé de les renommer, mais je préfère garder leur nom d'origine parce que déjà je trouve ça. Enfin leur nom d'origine je les trouve assez marrantes. On a les Ulors à la lune et les boys du seigneur de guerre, ça j'aime bien. Et pour toutes les autres, de toute façon là on peut les renommer. Donc, je crois voilà c'est le seul nom qu'on m'a donné. J'ai eu les mangeurs d'hommes et les mangeurs de nains. Ça, les mangeurs d'hommes, je pourrais peut-être les appeler les mangeurs
Mangeur d'homme. Genre on va faire homme. Plutôt mangeur. Comment on pourrait un mangeur? Mangeur comme ça. Voilà. Et des mangeurs de nanas. Mangeur de nains. Ouais. Voilà. Bon, on va se laisser là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes sur Total War Warhammer. Avec bien sûr les orques et les elfes sylvains. Pour info, et je vais vous le rappeler dans les épisodes. Enfin dans la semaine. La semaine prochaine, je pars en déplacement. Donc je vais essayer de faire les épisodes en avance pour la semaine prochaine. Mais pour la semaine d'après, donc dans deux semaines, je suis pas sûr de pouvoir faire des épisodes en avance, puisque forcément, je serai pas devant mon ordinateur. Donc, il va y avoir moins d'épisodes. Je vais en faire un minimum, mais il y aura. Je vais pas pouvoir faire des épisodes tous les jours. Ça va être un peu dur de suivre le rythme. Donc voilà, je vous préviens d'avance. Et de toute façon, je vous rappellerai. Donc ne vous inquiétez pas. Il va y avoir un petit ralentissement. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et on se retrouve très vite. Ciao.